compatriotes américains, ça yo, mettez avec haïtien, faut dire bien. Parce que nous avons oublié haïtien qui est le Jude Montis dans lui-même, qui mourit ensemble avec Mounsa. Parce que c'est eux trois que m'ont dit yo touye. Ok? Yo touye, yo trois. Yo touye Nathalie et David Lyord. Et puis, Jude Montis qui sont haïtiens. Et qui t'a dirigé. Et on compa on a fait Lina comme si côté que yo gade ti moun ki bagay maman pa rien papa ou ti mais que pa va ka occuper yo et puis yo aide ti moun sa yo et baba menti la mode de américain sa yo avec haïtien sa qui était responsable mission sa li déjà la gay plusieurs centaines dizaines ti moun qui était dans orphelinat sa nan kouri. Parce que kounya yab dit tete yo qui est-ce qui pral aider yo qui est-ce qui pral accompagner yo. Parce que yon sans espoir. L'État ici va faire un pour yo. Et si moun ki nan la rio, l'État ici, je dis, hein, ou après ces bandits armés qui ont recruté ti moun sa yo, nan groupe gang criminel que yon gen en nan pays. Qui te an dit que la mort de Américain sa yo, et mission sa pral campé en Haïti, hein, nous mettons quoi même si nous voulons. C'est pral augmentation de l'écart juvénile, hein. Et c'est pour l'augmentation en dit misère violence dans zone ça parce que ti moun ça pas je ne supporte ça encore. Et mais on dit clair que États-Unis après toute disposition déjà parce que il y a de gros réunions qu'a fait dans niveau la Maison Blanche dans niveau et on dit service sécurité département intérieur États-Unis pour que yo renforce davantage et ben plus matériel, ben plus moyen sophistiqué pour que yo contre carré action gang yo. Déclaration de Denis Hanskins dans des Sivenes, li rappelé les que ancien président Préval, li te fait déclaration pour te dit bandi yo que deux choix. Soit que yo déposé ou dit moins que yo reposé. Préval te dit ça. Les salles te fait déclaration ça, supporte aller au GAN, mais qui patre les portes aller au GAN, qui te les Kosovo à l'époque, et c'est ton bataille MINUSTA. Changez bien, et c'est parce que même contexte, oui, c'est MINUSTA, les salles te ancien DG Mario André Sol, et Préval, qui te a fait une déclaration dans niveau et porte aller au GAN pour te dire que, ben, dis, ok, deux choix. Soit que yo déposé, ou dis-moi ce que yo reposé. Est-ce que ces paroles et Préval te fait reposer, oui? Ça pas de le déposer. Est-ce que c'est ça qui pral arriver là? Parce que il y a un pile expert qui montre que mission pral débarquer en Haïti, hein, yo pral mener des opérations sauvages et nous pas menti, c'est ça qu'a la kawel. Désir sans surprise. Gaye koni fè golo, sans surprise. 6 sur 7 li passé. 6 sur 7, comment les frères? T'es gagné pour vin premier ministre parce que pas oublier c'est pion Loni et c'est pion Michel Joseph Matéli de PHTK étape difficile pour dépasser dehors désir d'aller même pas oublier m'ta pas dit ça m'ta et on dit soit PHTK bon m'ta regarder moi comme regarder PHTK m'regarder États-Unis m'regarder communauté internationale yo gè conseil présidentiel yo gè premier ministre yo ça me dit attendez bien yo gè conseil présidentiel yo avec 9 moun sa gen la, 9 ti moun sa gen la, et yo gen l'autre ti moun ki vin ajouter se gars konnen comme premier ministre, ke kounya yo arrange yo, yo bay paye a sécurité. Yo gen tout bay nan men la, ke yo bay paye a sécurité. Et jusqu'à présent, yo continue à kembe ti moun yo toujours qui se France LB, mais ke yo arrange yo, yo bay paye a sécurité. Moi d'avance des, m'a oublié ça parce que m'a fait débat sur lui. Puis devant. Très bien. C'est pour première fois, Blaise Peterson, gagne. On ensemble de monde qui dans course qui loyal comme ça. Gagnent yon nan monde qui était pratiquement dans 5 monde qui était rete dans course pour devenir premier ministre dans le pays. Nous voulons parler de Alix Didier Fizeme. À travers compte X qui présentait félicitations avec premier ministre désigné, nous voulons parler de Gary Koné. Première fois que nous baga la fête avec facilité comme ça. Ça veut dire n'ayou entendu quand même de toute façon que gâteau après bien tranché. Dans l'intérêt, mais non pas dans l'intérêt de la République d'Haïti. Si la personne, donc, regardez la situation, n'a pas que l'ambassadeur pays, les États-Unis,
avec fermeté. Parole que directeur général police nationale d'Haïti a t'avait répété. On croit dans tout moué, c'est ambassadeur pays les États-Unis qui déclarait ce soir bandit yo arrangé yo déposé ou bien y a dans prison ou bien dans cimetière. Li ouais cimetière pour monsieur qui gaza mandé dans pays parce que tant que j'en te dit l'expression les nez en prend coup la difficile pour j'ai à kembe de l'eau tout le monde qui t'a mouri dans pays d'Haïti comme haïtien yo sans doute yo pas représenté en rien pour ambassade des États-Unis d'Amérique pour ambassade du Canada pour ambassade de France et bien vis-à-vis avec missionnaire américain ça qui mouri c'est kounya yo estimé gros problème de sécurité qui existait en dedans pays les ça il méritait que chaque grain monde qui pratiquement constitué des ensemble des communautés haïtiennes, il y a cette responsabilité parce que c'est droit. OK? Denis Hankins qui pour prendre ensemble des positions ça par rapport avec compatriotes qui mourent et nous même les compatriotes nous mourir. C'est ça qui nous entend pour nous faire. C'est des situations qui paraît extrêmement difficiles. En dépit de tout ça, la situation bandits criminels sans foi ni loi qui dans niveau capital là déclaré tout puissant, monde dans Grecie continuer à courir quitter la caillou parce que monsieur yo estimé espace Grecia lui doit rentrer dans liste des territoires perdus. Après blindé qui était fin boulé pour jusqu'à présent ou est responsable dans au niveau dans la police faut qu'on capaille un rapport sur ça c'est vrai que responsable sinapoa déclarer que des policiers qui blessés et on dit mais qui dans quel contexte est-ce qu'on y a loin nous capter comme l'évangile ça sinapoa venir essayer donc dit là qui j'en fait que France LB directeur général police nationale d'Haïti hein, t'es rapide rapide pour te faire notre sortie dans ça qui était concerné assassinat missionnaire américain matériel, la police qui a brûlé, la police qui était en danger, ça ne veut pas dire rien pour tout ça qui est directeur général de la police. L'important qu'elle est nécessaire, blessure personne, pour nous faire analyse autour de ça, pour nous permettre que la population arrive à comprendre ce qui a passé en dedans d'un pays, n'est pas un bagaille très facile. Edgar Leblanc-Fils, entendre qu'elle vient en fait tweet tout sous compte X, suite à des échanges au sein du conseil présidentiel de transition après les auditions des candidats retenus pour les postes de premier ministre, le docteur Gary Conny est choisi par consensus pour diriger le gouvernement de la période de transition. C'est ça que Edgar Leblanc-Fils, président désigné conseil présidentiel, a écrit sous compte X. Et jusqu'à présent, c'est information qui confirme que Gary Conny, l'hiver goulot, l'hiver les vélois, tout bon vrai, blessé personne. Et c'est qu'on y a, comme carotte la cuite, ni dans mes départements d'État, ni dans les Nations Unies, ni dans les CARICOM, ni dans l'Occident. Est-ce que vous avez retiré Haïti dans la situation qu'elle devait là? Mais tel n'est pas le cas parce que nous ne croyons pas que vous avez intérêt dans la question de stabilité du pays d'Haïti de la situation. Et des LSM dit que nous allons venir avec interview ça que tout ça qui est Denis Hankins qui c'est ambassadeur des États-Unis en Haïti et me va permettre que nous tendel c'est vrai c'est en français mais ça va empêcher que nous tendel et moi avec collaborateur M. Desivenes n'a aidé que nous comprenons plus bien et dans chaque intervention que Denis Hankins lui-même dit mais ça qui peut-être pas plus important c'est que Denis Hankins montre que et après là mon compatriote américain par Elio et États-Unis prend ça très au sérieux. Et les États-Unis prennent ça vraiment, vraiment au sérieux. Les États-Unis ont parlé de l'administration Biden, non. Ils prennent ça au sérieux. Très au sérieux. Elle dit, ils sentent que c'est un plus gros coup qu'ils prennent. Pendant que ont calblendé, pendant que ils pensent comme c'est insécurité, seulement haïtien qui a frappé par lui-même. Et ils ont fait que, ils ont frappé au tout, bien que ils ont pris des dispositions avant même que, avant même qu'ils aient commencé à voler de matériel, ils ont déjà volé un dîme, à sécurité ambassade là, il était déjà voué hélicoptère américain qui en Haïti. Bon, bah qu'on est américain ça même, est-ce que c'est peut-être pas de cas déplacé ou dimanche bah qu'on est quelque part, mais il était senti que ça pral vini, hein, li a vraiment compliqué. Bon, voilà que yo perdit de proches de moun ki lansen yo comme compatriotes yo et ça montre que ça gen là en Haïti, hein, li vraiment compliqué. Je dis hein, et communauté internationale là n'a pas essayé de comprendre. C'est vrai, encore politique 3 avril, là. Il va mettre balise, comme si, pour que diaspora, comme si pas de cas représenté, non, gouvernement qu'on mette là. Il va mettre balise tout pour dire que, si ou moun pas résider en Haïti pendant 5-10 ans, comme si va, non, il va mettre aucune balise. Parce que, vous comprenez que. Qui compte gars qu'on y est, dans le moment qu'il a parlé avec États-Unis, monsieur, mon cher. Soit États-Unis, ou bien, Caraïbes. Hein? Premier ministre d'Haïti. Oui, le premier ministre en présentiel.
Non, pas visioconférence, allô. Pas visioconférence. Il a désigné dans l'absence. Notre pays s'appelle Haïti. Non, il t'est parlé. Il m'a appris, il t'est parlé par Zoom. Il parlé sous Zoom, bagay. Mais Kounia, faut que nous gardions question législature sous question visioconférence qu'il a parlé avec les personnes. Non, nous ne pas là. Nous ne pas là, même désir. Ouais, et Gary Koni, c'est pas n'importe qui, c'est directeur régional et UNICEF. Je connais un gros organisme international que je connais, c'est directeur régional. Je veux dire, il n'y a pas d'accord étonné que l'autant de Fidelizer, autant de. Comme si l'autre monde. Ouais, et pas en termes de. Tout le monde a une compétence, oui. Mais là, et mon question de compétence, là, c'est une question de gros point qui va le passer, ou dis-moi ce que. Là, c'est une question d'intérêt. L'intérêt des États-Unis, non pas l'intérêt de la République d'Haïti. C'est clair. On a dit ça déjà. Ça fait qu'on y a, ouais, bon, tout le monde a dit. Marie Jasmine, tout le monde a dit Cap Gadina. Et communauté internationale, CARICOM, l'OEA, Nations Unies, États-Unis, Canada, la France, bien que c'est nous qui impliquons dans l'insécurité, dans la grande misère, qui est en Haïti là, nous avons Ariel Henry, et c'est nous qui avons Ariel Henry, avec un tweet qu'on coupe là. Ariel fait cool qu'on n'est pas dans 32 mois, il va faire un rien. Passer mon bêtise, mettez mon espoir. Nous baille et conseil, conseil présidentiel 9 têtes ça, jusqu'à présent, il aurait été en face promesse toujours. Et ouais, tout démagogie ta fait 68 monde déposé, il aurait dû la 20 avec combé, il aurait dû la 13, il aurait dû la 5. Il va faire débat, tout ces bagages chantage fait en passé. Nek yo te geta konnen conseiller yo et conseiller avec yo. Yo te geta konnen qui est kap vin premier ministre. Boss yo, met yo te geta di, mais qui est. Ça te bien fait mal. Que moi, Fils Belizier, qui te allé dans conseil en journée et m'a dit, hein, et ouais, ma partisan, al fait al bagay. Parce que yo te geta konnen qui est. Mais kou diablez, est-ce que l'obé pour le pété dans le conseil présidentiel la partie de Saline, sans doute qui te fait négociation déjà? Ou c'est Fritz Belizer qui était le premier ministre et gouvernement transition? Non, mon cher, il va faire l'obé. Parce que Moïse qui cherche à guetter à jouer l'Occident, mon cher. Moïse Jean Charles, ou pas jamais entendre Moïse Jean Charles à baïta sinifrappe. Il va parler de la Russie encore? Ah, m'ba konne si la parler de la Russie. Ça m'ba konne. Mais ou pas jamais créer un Moïse Jean Charles qui va violent vers les États-Unis. Non, Belizer, m'a trouvé Samdou là. Monsieur rejoint Vizal, semble que secrétaire rejoint Vizal pour la jeune madame Niakpiti. Bon, peut-être. Mais depuis notre dans conseil ça là, Moïse pas prêt jamais parler États-Unis mal. Non, ça dit clair mon cher. Ah, dis-moi mon cher. Mais regardez, même les moi avancer des jeunes garçons mais n'a fait pour nous n'a pris ça quelque temps et n'a fait de analyser de ces politiques. Ah, nous comprenons. Attendez, les Moïse 17 mai avant même ou jour avant 18 mai, attendez Moïse dans discours que il était et qui côté ouais même n'était même by frappe avec États-Unis et aussi j'allais me dire dans l'Occident. Regardez qui côté ouais Moïse by frappe avec l'Occident. Mais il dit qu'elle parlait à qui? Il parlait même avec les États-Unis, il parlait même avec le secteur privé des affaires, qu'elle était très acide, très critique envers les États-Unis. Eh bien, voilà, ça veut dire, pas étonnant, là, après, je ne vous. Elle dit ça, histoire de moi, je suis allé pral et pral goumé dans le conseil, là, menti. D'ailleurs, là, il est ou cassé ici, ou à la bambe, tout bagage, vous connaissez. Et même, disant mieux ça. Chaque conseil qu'il a, il pral négocier au ministère. Mais dis yon, comme c'est 18 ministères payants gagnés, mais chaque conseil qu'il a, il pral négocier deux ministères clés. Ou dis est-ce que deux ministères clés ou encore un ensemble de directions clés, ça me clé sous les. Donc, il y a un groupe qui a sur Moïse Jean-Charles, sur ministère qu'il a réclamé déjà, de le conseil qui était peut-être pour m'achever gonflé. Il y a un yeah. Monde qui garde Moïse Jean-Charles qui ouais et qui mandait délégation départementale, qui entend pour moi l'élection.
qui mande ministère intérieur, qui mande AAN, qui mande la douane, pratiquement yo même, yo entend yo pou faire affaire. Je veux dire, basse consensus qui mène Gary Conny côté lié, l'un connaît Gary Conny nan niveau qu'il souche avec international là, et nan niveau que Gary Conny souche tout avec Michel Joseph Matéli, avec la famille Clinton, dans qui niveau que moun sa ou connecté les personnes. Li vin moutre on l'autre fois, c'est pour le gabji total, c'est pour des situations très compliquées que pays a pral connaît, ensemble de décisions yo, yo va pral à l'haïtienne. Haïtien pral pratiquement connaît des moments durs, des moments très difficiles, en fois que yo pas assumé responsabilité yo, pour faire respecter le droit que yo gagne dans le pays en les personnes. Et pas oublier que Gary Conny ça, il y a un paquet de soupçons. Sous lui, dans la gouvernance avec Michel Joseph Matéli, qui pas même vient sous table pour essayer de regarder. Est-ce que le gouvernement qui est là, ou bien le conseil présidentiel, là, qui peut-être a arrangé pour monter le gouvernement, il n'y a pas monté sous crédibilité, honnêteté, avec ça qui gagne. Est-ce que vous parlez vérifier ensemble des soupçons qui gagne sous Gary Conny qui fait c'est les mêmes qui ont désigné Blaise Fesson? Ah, mon cher, tout le monde qui est dans le conseil là, il est dans le pays. Hein? Tout le monde qui est dans le conseil là, tout est dans le pays. Il y a tout là, les gars, ils connaissent les ministres. Ils disent, tout est dans le pays. Il y a tout est connu. Ils disent, c'est un secte qui ferme, il y a une contre l'autre. Ils disent, pas de nouveau là, rien de nouveau sur le soleil. Ils disent, son secte qui ferme, tout contre l'autre, il y a une contre l'autre. Donc, pas un monde qui va chercher contre qui est ça, il y a tout contre l'autre et il y a une contre l'autre. Et, deuxième, j'aime le dire, Gary Conny, c'est pour aller, ouais, même ça clair. Gary Conny, c'est pour aller, on gère la tortue encore dans le pays. C'est pour aller, on gère la tortue encore dans le pays. D'ailleurs, Gary Conny, c'est pour aller, on super chef. Ouais, saisi, ouais. Gary Conny, pour aller, on super chef que, sept conseils siégés yo et deux qui observateurs. Je veux dire, Gary Conny pour aller super chef passer moun sa yo. D'ailleurs, Gary Conny c'est le cap de contact direct avec États-Unis, avec l'international. Ça me clair sous ça. Ça me clair sous lui. Ça me clair sous lui. Et il prend contact direct avec l'international. Ok, ben, a fait des gabines et comment, et lui, et conseiller, ok, bon. Conseiller, prend là comme des timons après l'autre. Et fini. Et j'en c'est fini sur ça. Et laissez-moi dire, parce que nous m'avons avec déclaration, interview, ça, que Denis Hankins Bailan. Mais laissez-moi un petit rappel sur Gary Conny. Et c'est pas, il n'est pas un nouveau, notre pays, hein. Gary Conny passé comme premier ministre déjà. C'est-à-dire, il connaît l'État pendant, alors, comme autorité, à bien dire, étatique, il fait, et bon regardez-moi. Gary Conny fait 6 mois 28 jours si m'pas trompé dans tes pays parce que me songe que Gary Conny il était premier ministre d'Haïti sous Matéli on croit de 18 octobre 2011 à 16 mai 2012 on croit passer 6 mois 28 jours dans tes pays comme premier ministre. Li c'est médecin de son état. OK, l'ité l'on maîtrise en politique administration santé université Caroline du Nord à Chapel aux États-Unis. L'ité dirige ensuite vers Sanrelé en études en médecine. L'on certificat spécialiste en gynécologie et l'on doctorat en médecine dans faculté médecine université d'État d'Haïti et en 1994 l'ité directeur association nationale pour développement, il était instauré un système de soins santé primaire dans quartier défavorisé en Haïti en 2004 et de 2000 à 2004, l'ité qu'on animé créé animé une émission sur radio nationale et sous chaîne Radio Vision 2000 sous thème santé sexuelle et en 1999 et l'ité intégré l'ONU et octobre 1999 à octobre 2002, l'ité chargé projet et puis l'ité chargé programme pour Fonds Nations Unies pour population en Haïti. Et de 2002 à 2004, l'ité conseiller technique pour population service international PSI, PSI, ou association qui lutte contre la pauvreté extrême. En 2004, l'ité retourné dans FNUPA, UAUPA, UNAP. Et en tant que conseiller technique en Éthiopie, chargé intervenir puis vas-y par coup c'est Gary Conny li lo en pile si n'a prend parler de li là li t'a prendre toute cette émission mais m'va rendre Conny tout service ça parce que émission pas pour lié et je dis m'va pas nous mentir d'ailleurs li va comment nous va commencer parler de li certes parce que c'est li Conny a coul fin prêter serment là m'va qu'on est alors installé disons li fait discours li et li mettait campé gouvernement li clair que là, peut-être nous sommes bagarres, mais c'est commencé par résultat. Et, vous comprenez?
li pral commencer bay résultat zami internaute nou yo. Et c'est ça qui fait nous pral garder ça là et ça qui fait nous pral garder comment que nous capable venir avec et Denis Anquet puisque je dis le plus important alors pour moi-même l'important que parce que question de sécurité en là li c'est priorité. A noter fann dit que désir et Gary Conny avec tout gouvernement qu'il pral mettre campéan c'est yo pral exécuter yo pral mettre en application et on dit accord politique que conseil a signé à 3 avril qui gen la donne rétablir sécurité et organiser conférence nationale et puis réforme constitutionnelle et organiser élection démocratique crédible et participative et puis et instaurer la justice et état de droit mettez camper institution publique nous yo moi que ensemble de ça yo c'est lui même qui prend le feuille de route que Gary Conny qui je dis hein, c'est premier ministre parce que c'est ça qui est capable de dire que en pile média déjà baili et nous même nous citer et nous crédit hein, parce que on dit désir est-ce qu'on connaît ces 6 conseillers sur 7 qui votent Gary Conny c'est presque fait l'unanimité grand conseil pas voter Gary Conny c'est Laurent Cessier parce qu'elle était payant elle dit son stratégie qu'elle fait qui était payant comme si on fasse pour dire qu'elle pas là il va voter. Parce que, li pa wè comment que li pral voter et li pral voter Gary Conny, au lieu alors que le connaît que Alix Diefisémé qui c'est au monde de même secteur privé ensemble avec elle. Dit et ça femme de tout à l'heure désir. Qu'est-ce qu'on va dire Moïse pral parler, c'est pas vrai parce que pas oublier tout conseil voter là yo. Yo voter dans nos partis tout. Vous d'accord avec moi? Et Emmanuel Vertil a voté dans notre petit Dessalines qui il voter pour Jean-Charles Moïse et moi me connaissais pas Jean-Charles Moïse qui dit voter. Smith Augustin voté pour aider le compromis historique. Mais il voté pour Claude Joseph. Parce que je crois ministre, je crois que par rapport avec la feuille de route qui vous gagne Blaise Peterson, il veut comprendre que c'est Gary Conny qui peut-être cap fait la route, qui cap rendre que vous avez un résultat de ensemble de ça qui vous gagne. Si c'est en faveur du pays, c'est très bien. Mais si c'est pas en faveur du pays, c'est malheureux pour vous Blaise Peterson parce que le peuple haïtien qui a souffert depuis un bon bout de temps, il ne peut pas le regarder. Et nous qui pourrons faire ça, ouvrir, avec ça, ouvrir, on est dans le pays, ça, bien sûr. Et vous, Desi Menes, et nous prenons le cas des gens dédiés avec question ça. On nous venons avec Gary Conny, non? Alors, pardon. Et Denis Hankins, non? Nous allons venir avec lui, diplomate et alors ambassadeur américain, ça. On nous venons avec lui, et c'est que nous prenons le cas de comment que nous pouvons mettre des amis, attendez. Et puis, en même temps, tout, nous avons fait de rentrer sorti et qui va permettre que nous aidons à comprendre plus, mais ça vient là. Entendez, monsieur. D'abord, permettez que je vous présente mes sympathies suite à ce qui s'est passé la Wendell Théodore de Métropole et Le Point. Je veux faire allusion à l'assassinat des Américains en pleine. Vous avez appris cette nouvelle très tard, vendredi dernier? Oui, non, c'est quelque chose de très triste pour la communauté américaine. Je dois noter que soit de gouvernement, soit de société civile, il y avait plusieurs expressions de condoléances de peuple haïtien. Mais vraiment, c'est les gens américains qui ont dédié leur vie pour les Haïtiens, pour aider les Haïtiens. C'est triste que c'est les membres de gang qui a décidé de tuer ces gens qui travaillent pour les Haïtiens. Je suis sûr, et nous avons reçu les garanties du gouvernement qu'il y aura de justice. Mme Gagnon allait ou bien en prison ou bien dans un pays sans chapeau. Soit Gagnon, l'école a dit que c'est des bagailles. Soit Gagnon aller en prison ou bien aller dans le pays sans chapeau. Bon, sans chapeau, nous très bien comme haïtien. Vous avez pratiquement utilisé le langage courant des haïtiens. Exact. Comme c'est pour permettre que nous comprenions que ça peut venir là pas petit. Parce que soit que Gagnon allait en prison ou bien aller dans le pays sans chapeau, ça veut dire, c'est clair. Au moment de l'événement, est-ce que personne n'a appelé l'ambassade à l'aide? C'est le fait et c'est la raison pour laquelle nous avons cette annonce pour dire aux citoyens américains de quitter. Oui, il n'y avait pas de moyens, ni du gouvernement, ni de l'ambassade, d'aider au moment. Nous sommes engagés maintenant avec les familles pour le retour des,
de restes humains de ces deux jeunes, cette jeune couple de missionnaires, avec l'assistance même des entreprises haïtiennes, du gouvernement haïtien. Mais c'est le fait que, pour le moment, il n'y a pas de moyens de côté du gouvernement ni du gouvernement américain d'aider dans ce type de situation. C'est la raison pour laquelle nous voyons cette mission d'appui de sécurité. C'est essentiel pour renforcer la capacité du gouvernement haïtien de répondre à ce type de situation. Mm-hmm. Il y a l'ambassadeur, le sénateur républicain du Missouri, John Hawley, qui prétend que l'ambassade américaine en Haïti aurait refusé d'apporter de l'aide au couple qui était en danger. C'est déjà une question de notre capacité. C'était dans une zone contrôlée par les gangs. Alors notre capacité, nous n'avons pas une armée ici, nous n'avons pas des forces spéciales ici. Il n'y avait pas de cette capacité et même la capacité de police nationale dans cette région s'est limitée. Mm-hmm. Alors c'est triste, mais c'est la réalité que dans la situation actuelle, il n'y a pas assez d'effectifs de police nationale, des forces de sécurité, de réagir en tous les points de Port-au-Prince. Même la force qui s'appelle FAST. Get your engagement ring at jamesallen.com, because when she looks at that ring, she's gonna see you. Yeah. Hey, baby. Yeah. Ça aussi, des bagages comme si d'avoir avancé les yeux. Mm-hmm. Bon, moi, je pense que l'ambassade a apporté des explications pour montrer un des oui, c'est vrai, il y a des contacts qui étaient faits de bon côté par eux, mais il paraît très difficile pour eux-mêmes, ils étaient arrivés dans l'espace côté et missionnaire américain, ça a été trouvé eux, et qui contrôlait par gang, qui te paraît très difficile parce que eux-mêmes, ils ont pas gagné, ils ont l'armée en dedans pays, hein, et ils ont montré et volonté que eux-mêmes ont gagné, bon côté par eux, surtout ambassade américaine, pour permettre que mission qui a parlé des liens rentrer pour venir porter support à la police. C'est ça que Dennis Hankins déclaré dans quatre interviews là, et le montrer. Il n'y a pas qu'à attendre pour bandits ou aller dans le pays sans chapeau ou bien aller dans la prison pour payer pour les actes qu'ils ont fait sous missionnaire américain. Malheureusement, en plus, il faut aller au dire pas qu'à attendre ou qu'on ait été autorité haïtienne à faire l'angle pour dire que c'est pas aux États-Unis qui est, c'est en Haïti parce que nous avons de laisser Voltaire qui te dit ça, nous avons une interview qu'il a gagné avec, est-ce que c'est pas avec même Métropole qu'il a déclaré que c'est pas dans le pays. Yo. C'est pas aux États-Unis, c'est pas décision sur élection qui a fait dans pays les États-Unis à Donald Trump avec et Joe Biden, c'est pas département d'État qui a agi, c'est eux qui a agi, ils ont besoin de temps et ouais quelques heures plus tard, ils ont obligé à aller dans le sens que les États-Unis te souhaitaient. Si ils ont fait dans le sens sable expression, quoi c'est pral, ils ont coup trouf, ils ont soulagement pour les haïtiens parce que il a réussi à respecter une fois sa ambassadeur dit qui n'en faveur pays d'Haïti de la situation. Le bagage encore qui dit par l'ambassadeur Dennis Hankins, il montre que, à côté de moi, que vous même personnellement, que vous pas doté de Haïti, par exemple, vous pas des militaires, vous pas des forces spécialisées, et comme d'a dit, qui basé dans l'ambassade là pour t'apporter support avec Américain Sayo. Mais il montre que, zone côté missionnaire yoyen, son zone qui était vraiment difficile et qui contrôlée par gang armée, il dit même la police nationale d'Haïti pas vraiment effectif qui est capable de répondre avec ensemble de situations Sayo, et la police a pas gagné moyen tout, ça veut dire, il montre que, l'été complètement difficile et impossible même pour me dire comme ça et pour que yo te pote support te pote aide by moun alors américain et puis haïtien qui yo même dans une situation difficile là-bas. C'est ça le montrer à travers ça le dit là. Et est-ce que ça montre puisque yo montre que trouvé que yo pas de moyen assez mais kounya est-ce que yo prêt à travers mission ça prêt à venir hein? Et ensemble de dispositions qu'a prend là yo est-ce que fait une étude est-ce que fait un calcul en termes de moyens adéquats pour bailler la police non pour bailler l'armée et pour bailler on dit mission qui hein? Prêt permettre que yo répondre et en même temps parce que faut dire la clé parce que
faut que c'est en même temps, il faut regarder dans le plan qui répond en même temps avec Action Bandio. Ou dis-moi ce que, parce que Bandio t'a fait une démonstration le 29 février. C'est toute capitale là, net, tu es encerclé. Ça veut dire, même Jean Bandio capable d'encercler toute capitale là, non, seule journée. Bon, c'est fuck autorité, il y en a plus au niveau. Fuck mission, fuck si, fuck ça qui peut être gain, qui peut être commande sécurité paye en main. Fuck que y'en a plein autour, qui est capable de réponse proportionnelle et simultanée en même moment avec Bandio. Et là, il a dit que nous pas capable de continuer à plaindre, c'est agir ou non agir des Jésus. On avance avec Dennis Hankins. Même la force qui s'appelle FAST n'avait bon, pas non, la capacité qu'il fallait pour intervenir. Hors de l'ambassade, non. Il y a des gens qui sont là pour protéger l'ambassade comme telle, mais nous n'avons pas de capacité de faire des missions hors de l'ambassade. Oh, même et si on reçoit, et si on est demandé, ou encore si le gouvernement haïtien vous demande d'intervenir, si vous avez l'autorisation, vous n'allez pas pouvoir... Nous n'avons pas de capacité. Ok. Et maintenant, parlons autre chose. Nous allons parler de cette note de l'ambassade américaine relative... au choix d'un premier ministre. Ouais. Vous avez dit dans la note, monsieur l'ambassadeur, que le prochain premier ministre doit être quelqu'un ayant la capacité technique, ça doit soit se faire en toute transparence. Et quand vous dites, toujours dans la note, que vous êtes impatient, qu'est-ce que vous voulez dire? Première fois, c'est de noter, alors j'ai commencé en disant, en saluer le gouvernement de transition, le conseil de transition présidentielle, pour le fait que, même après un mois, maintenant, ils sont en train de faire des grandes décisions, ils sont en train de choisir un premier ministre, après nous avons la priorité de choisir le chef de comité électoral provisoire. Je pense que, bon, et même le gouvernement a dit que c'est pendant le week-end, il y aura une décision. C'est déjà fin de week-end et sans décision. Et je pense qu'il y a assez de priorités pour le gouvernement et pour le peuple haïtien. Par le fait de comment était construit ce conseil avec 7 membres, ça veut dire que les décisions, ils prennent du temps. Nous pouvons comprendre. Parce que toutes les questions doivent être décidées par au minimum 5 membres de 7, et ça prend de temps. Mais je pense que pour avancer dans les autres priorités, il faut avoir une première ministre. L'essentiel, et je sais qu'ils ont commencé avec presque 200, peut-être plus que 200 candidats. Et parmi 200, évidemment, il faut avoir une vingtaine qui a déjà une histoire et un résumé assez technique pour montrer qu'ils ont la capacité de gérer un gouvernement. Nous espérons que la décision soit faite dans le Conseil, sans l'influence des autres, particulièrement sans l'influence des gens qui veulent influer les décisions. Chaque membre, ils ont une certaine responsabilité. Même si la communauté internationale a dit qu'il n'y a pas de transition dans une transition, mais il paraît que les États-Unis misent beaucoup sur cette transition. Oui, vous êtes déjà dans transition 2.0, dans le sens qu'il y a une deuxième transition. Mais nous espérons que maintenant, avec ce modèle, il y a toutes les tendances, ou la plupart des tendances. C'est difficile d'imaginer qu'un seul parti peut contrôler le processus. Et ça donne plus de chances d'avoir un gouvernement qui est neutre, d'avoir des élections qui sont crédibles, parce que toutes les grandes décisions doivent être faites par débat, par décision commune. C'est pas facile, mais pour moi, alors, si vous avez une présidente avec 7 têtes, tous les 7 têtes doivent avoir la capacité de parler. Et si on coupe 3 têtes, tous les têtes vont mourir. Alors, c'est nécessaire de maintenir cette unité qui ne fait pas simple. Mais je pense que c'est un modèle bien en solution haïtienne pour la situation haïtienne, pour assurer qu'il y aura au minimum un consensus, un grand consensus sur toutes les grandes questions qui sont nécessaires pour cette transition.
Est-ce que les États-Unis soutiennent un candidat au poste de Premier ministre? Absolument. C'est vraiment, c'est pour le système de faire le choix. Nous avons parlé d'un perfil, alors quelqu'un qui a une capacité technique, qui a la capacité de gérer une situation assez difficile, quelqu'un qui n'a pas une grande connexion avec une partie, une coalition ou une autre, qui peut gérer le gouvernement dans un sens neutre pour tous les défis qui sont devant ce gouvernement. Je ne vous apprends. Voilà, ambassadeur Hankins font un jeu diplomatique. Et lui, ça s'est répété en pile sac de acteurs qui disent qu'il y a un dit. Un monde qui pas grand affiliation à un parti politique, un monde qui neutre, un monde qui pas comme si qui capable. Ouais, Alhamdoulillah, parce que l'aura les fils Belizère. Fils Belizère sont un monde qui tout le monde publiquement connaît, ouvertement connaît ces petits de Saline Kibali. L'aura les Oudouan Joazil qui commence sénateur, sûrement, les gon chapelle politique côté était sorti. Peut-être même les chapelles ça qui doit pas exister encore, mais les gens de acquaintance politique. Lors aller pour Antoine Bien-Aimé, c'est parce que même bagala d'ailleurs où est ensemble de partis qui allait là qui comprend yo garder pour Antoine Bien-Aimé comme qui était ministre sous Préval comme si qui vont chaper politique. Lors garder qui est encore là, ça va être toi. Alex Didier qui c'est ça. Alex Didier Fizemi. C'est vrai il pas politique mais pas oublier, il était candidat au Sénat. En bas, mais secteur, vérité. Attendez, on est qui représente le secteur privé à plus que politique parce que le secteur privé a contrôlé un bon parti. Non, et ça qui lie avec question politique. Les contrôles est tout net. Les contrôles politiques. La classe politique qui échoue à là et secteur privé a pas sans conséquence. C'est une classe politique qui a chamboulé, qui pratique échoué dans toute sa qualité gagnée comme décision et en faveur pays qui a été prendre des situations. Ça veut dire, les qu'elle dit, on qui pas mêlé, qui pas en vague, qui comme si c'est un rassembleur, son monde qui pas en vague. Il était clair parce que en diplomatie, c'est allié. Ambassadeur, j'aime bien dire ça que vous voulez entendre. Au contraire, la passe par mille chemins pour ne pas jamais comprendre ça, ça l'a dit. Et c'est normal parce que c'est parce que l'idée formation pour ça. Mais on ne cap essayer les comprendre dans les faits. N'a déjà comprendre parce que c'est même pas ça que moi et Denis Antis dit là, c'est lui-même ensemble en pile parti organisation et de ces citoyens cap ko gars connu. C'est parce que même bagala dit qui va différent de sa ambassade dit là. On avance. Pour tous les défis qui sont devant ce gouvernement. Je ne vous apprends rien, monsieur l'ambassadeur. Il y a des Haïtiens qui pensent que vous supportez un candidat. Et vous diriez quoi à ces Haïtiens? Je pense qu'il y aura toujours cette tendance que les États-Unis, c'est en dehors de chaque décision. Mais vraiment, nous sommes ici en faveur du système, en faveur d'un processus bien haïtien. C'est vrai que nous avons aidé avec le processus de cette transition pendant les négociations avec CARICOM, avec le départ de l'ancien premier ministre. Nous étions toujours en contact, mais c'était toujours dans le sens d'aider les partis haïtiens de trouver les solutions entre eux. Ce n'est pas d'imposer une décision, une solution pour les Haïtiens. Donc, vous parlez de Ariel Henry, l'ancien premier ministre. Oui. Mais vous savez, monsieur l'ambassadeur, les Haïtiens ne savent pas jusque-là ce qui s'est passé exactement. L'ancien premier ministre se rendait en République dominicaine, il a dû rebrousser chemin et finalement il est en Californie. Ouais. Mais on n'a pas de détails sur ce qui s'est passé. On ne sait pas non plus à quel niveau vous êtes impliqué dans votre pays. Toujours, parce qu'à un moment donné, c'était clair qu'il n'y avait pas de possibilité de retourner. Il y avait cette nécessité pour les Haïtiens de trouver un autre modèle. Et nous étions là avec les autres partenaires, avec les pays de Caraïbes, d'aider les Haïtiens à trouver une solution. Je vois qu'il y a toujours un certain manque des informations de côté des Haïtiens. Même dans la situation actuelle, nous espérons dans les semaines prochaines, le conseil présidentiel aura une porte-parole parce que même ces jours, ce n'est pas clair quelles sont les décisions du conseil, quelles sont les idées de chaque membre du conseil. Et tout le monde a déjà discuté. Il dit ni conseil, ni Denis Hankins, il a fait un travail.
Il fait nous faire lago. Lago il a fait nous faire. Il a montré nous que vous pas comprendre ça qu'a décrit. C'est pas d'ailleurs dans ça qu'a fait dans Blaise Peterson. Yeah, parce que hier m'a dit avant hier et avant hier, bon, moi même t'attendais à propre et pas me faire pléonas non que lui Gérald Gilles qui c'est un conseiller qui s'est représenté à quoi 21 décembre, il dit que dans jour là pays a pas connait qui est ce qu'a porte-parole conseil là parce que il pas question chaque conseil a appelé parler dans plusieurs médias patati patata il va gagner un conseiller il va pas porte-parole et où est capable de assurer papa donc qui est donc Peggy Jean assurer oui et vous tendez c'est non Peggy qui a cité puis bagaille ça donc là et bon c'est que bagaille qui a avancé mais ouais les coquins les fun et ainsi n'y paye en plein mais monsieur elle dit mais la qui paye mettre la guerre esclave dans main lui. On a avancé. Vraiment, chaque membre, ils ont le droit de parler de leurs entrées, mais il faut avoir aussi un système pour être sûr que ici, c'est une décision de conseil qu'on conseille, et de parler avec la population et c'est aussi avec les forces, les leaders de sécurité, les membres du gouvernement. Quand il y a un nouveau premier ministre, je pense que cette question de dialogue avec la population, c'est nécessaire. S'il y aura des élections d'ici 20 mois, nous espérons qu'il y aura plus que 20% de participer. Et pour participer, les Haïtiens doivent avoir une certaine confiance du système, en confiance dans le gouvernement. Est-ce que les États-Unis sont seulement engagés dans la logistique de la mission multinationale? Il y a plusieurs autres pays qui sont déjà engagés. Bien sûr, il y a les pays qui ont déjà fait l'offre. Alors, c'est Kenya, c'est Jamaïque, Belize, autres pays qui ont déjà fait une décision de participer. Ce que nous avons fait est de prendre charge de création de bases logistiques. Et ça, c'est fini maintenant à l'aéroport. Nous étions aussi très actifs avec la réouverture de l'eau. Et pourquoi on remet à 3 semaines le déploiement de la force si la base est déjà prête? Bon, il y avait cette délégation du gouvernement du Kenya qui était ici même pendant la visite de leur président à Washington. Alors pour les Kenyans, c'était de voir est-ce que vraiment il y a des logistiques en place. Il reste toujours, alors avant le déploiement de 2500, nous sommes en train de parler avec d'autres pays de trouver des équipements qui sont nécessaires. Nous espérons, et c'est prévu que maintenant il y aura le déploiement des premiers Kenyans avec les ressources qui sont présentes maintenant. Et je pense maintenant c'est plus une question d'organiser l'aviation et tout ça. Mais pour le long terme, il faut avoir plus des équipements. Nous sommes en train d'identifier dans les ressources américaines, mais parler avec plusieurs autres pays, de donner les fonds aux fonds communs de l'ONU ou de donner des équipements, puisque tous les pays qui veulent participer peuvent avoir des équipements nécessaires. Au même temps, il y a une deuxième priorité, c'est toujours de renforcer la capacité de police nationale. Vous avez vu, on a déjà donné pendant les dernières semaines des blindés pour la police nationale. Il y a autre équipement parce que le président Biden a autorisé les ressources du gouvernement américain qui sont en surplus pour aider soit la police, même en certaines conditions, l'armée nationale, aussi avec le MSS. Donc maintenant, les États-Unis reconnaissent l'existence de l'armée d'Haïti? Bon, c'était toujours reconnu, c'est toujours, mais il y a des limites dans notre législation. Alors, selon notre congrès, nous sommes empêchés de donner assistance des armes à la police nationale. C'est en débat parce que nous voyons, par exemple, maintenant, c'est le garde national de l'armée nationale qui est en charge de sécurité de l'aéroport. Ils ont renforcé la sécurité des ports. Nous savons qu'ils sont là, bien sûr, mais pour le moment, nous sommes très limités avec notre capacité. Il y a des autres pays, je sais que Mexique, par exemple, a une forte collaboration avec l'armée nationale, que nous n'avons pas de problème avec le fait qu'il y a des autres pays. Décision ça, qui empêchait de supporter l'armée, mais de supporter la police.
En pile fois que nous d'accord que la police dépassée par événement yo, si c'est à un militaire qui prend beaucoup plus formation de plus haut degré que un simple policier, il t'a peut-être fait face avec situation qui gagne en dedans pays parce que yo t'a fait intervention et t'a prêté constant dans espace malheureusement que yo pas gagne possibilité pour intervenir parce que les États-Unis d'Amérique jusqu'à présent yo pour reconnaître quasiment existence l'armée d'Haïti les Peterson. La réunion qui a eu lieu la semaine dernière entre le président Biden et le président Ruto témoigne en quelque sorte, si besoin était, de l'engagement de votre pays pour Haïti. Mais les gens continuent à se poser certaines questions, à savoir, Haïti est le voisin immédiat des États-Unis. On est seulement à environ 2 heures de la Floride. Pourquoi les États-Unis confie cette mission à un autre pays. Bon. Pourquoi est-ce que les États-Unis n'acceptent pas d'envoyer des soldats comme c'était le cas dans le passé? Ouais. Et même mon président a parlé sur le sujet. Alors, avec notre histoire, avec Haïti, avec le moment qu'il y avait, deux fois qu'il y avait des grandes forces américaines, ça a toujours créé des conflits et des problèmes avec la communauté haïtienne. La présence des troupes américaines comme telles, ça peut créer des difficultés en termes de notre relation. On voit, particulièrement aux États-Unis, il y a des protestes même avec cette mission internationale. Il parle de l'invasion de votre pays. Alors pour le président d'envoyer les troupes américaines, c'était de créer, pas de créer calme, mais de créer plus de crise. Alors il a fait la décision de utiliser notre travail avec nos alliés dans les autres pays. Dans le cas de Kenya, a une grande expérience et nous avons travaillé avec eux depuis longtemps, particulièrement en Somalie. Ils sont très expérimentés en situation de crise. Ils ont comporté et nous avons fait une forte formation de leur police pour être prêts pour cette mission. Et il y a des autres, il y a des pays de Caraïbes, il y a des autres pays d'Amérique latine qui sont prêts de participer dans cette opération. Alors c'est avec notre assistance financière, avec les équipements, nous espérons avec l'assistance des autres grandes bailleurs de fonds que nous pouvons aider cette mission. Mais dans ce cas, alors c'est important de savoir que bon, le MSS, ce n'est pas les États-Unis. Au moment que Kenya arrive, ils auront leur propre porte-parole de parler et ils ont déjà commencé les contacts avec le gouvernement haïtien parce que le motif principal est d'aider les Haïtiens de créer des systèmes de sécurité. Mm-hmm. Vous avez déjà l'histoire avec les opérations de l'ONU avec 20 000 soldats, alors ça c'était pour remplacer les systèmes de sécurité. Cette mission, c'est de donner assistance de création des systèmes plus forts haïtiens. Autant que des Haïtiens ouais. Souhaitent que les Américains aident le pays à se débarrasser des bandits, autant que qu'il y a aussi des Haïtiens qui se demandent pourquoi est-ce que les États-Unis font autant d'investissements en Ukraine qui est si loin et ne décide pas de donner autant à Haïti. Bon, dans le cas d'Ukraine, c'était une invasion sans raison par les Russes contre l'Ukraine. Ça a posé un risque de nos responsabilités comme membres de l'OTAN. Alors ça, c'était vraiment en crise contre le système international. Le système des règles, le système de droit international. Et ça pose un risque directement aux entrées stratégiques des États-Unis. Pour Haïti, c'est une continuation d'une crise. Il y avait une crise, je suis arrivé il y a 30 ans, quand mon premier poste, c'était 3 mois avant le premier coup d'État contre Aristide. Il y avait cette longue histoire d'instabilité dans votre pays. C'est vrai que, bon, Haïti, c'est proche des États-Unis en termes de pays de Caraïbes et d'Amérique du Sud. C'est le plus pauvre.
Alors nous avons assez d'entrée de voir en Haïti stable, solide, prospère, parce que ça donne la possibilité de travailler avec un pays, de éviter les risques d'instabilité dans toute la région. Et hors d'assistance, alors depuis longtemps, nous avons aidé la police nationale, mais aussi le système de justice. Et nous savons que aussi en termes de l'assistance humanitaire, c'est principalement les États-Unis. La plupart des fonds de l'ONU, c'est des États-Unis. Alors nous sommes actifs dans presque tous les domaines en termes de l'assistance à Haïti. Mais sur cette question de sécurité, c'est une combinaison de pays qui sont prêts d'aider Haïti à trouver un peu de paix. Après la crise, monsieur l'ambassadeur, après la crise sécuritaire, est-ce que votre pays entend accompagner Haïti à travers un plan, par exemple? Did you know you can get permanent teeth in Et est-ce que après ça que M. Balgué plan, est-ce que les États-Unis vont plan pour aider Haïti? C'est peut-être une très belle question que Wendell posait avec ambassadeur Dennis Hankins. En nous permettant d'entendre, est-ce qu'effectivement les États-Unis vont plan? Et parce que, en plus, la mission est venue, même si je me prenais, excusez, en plus, la mission est venue, est-ce que j'aime un plan après, comme si après crise, après au final? Et c'est ça que je avec le ministre là. Le ministre n'a pas de plan après, il a seulement venu exécuter, mais pas de plan après. Et ça, c'est un pire problème que, en pile de questions qu'on a posées, en pile de qui plané, c'est ça, qu'on a posé. Est-ce que j'aime un plan après à l'émission ça? On continue à dire, que la question ça que Wendell a posé avec Denis Hankinson et qui ça l'a bien comme réponse? Si à travers un plan, par exemple. Je pense que là, c'est une priorité pour le gouvernement. Mm-hmm. Mais nous sommes très conscients et je suis en contact avec le système de l'ONU et avec les autres pays. Nous voyons tous, nous espérons avec le déploiement de MSS, il y aura plus de capacités de police nationale d'assurer la sécurité dans toutes les régions de Port-au-Prince et le reste du pays. Mais il faut qu'après qu'il y a sécurité, qu'il y a en présence des services de gouvernement, soit d'éducation, de santé, de logistique. Alors, je pense que pour les États-Unis et pour les autres, il y aura une campagne de travailler avec les organes de gouvernement pour être présente dans tous ces banlieues qui sont maintenant sous contrôle des gangs. C'est le penser, d'abord. Parce que pour la population, il faut avoir un bénéfice de cette sécurité et bénéfice, c'est de voir les services de gouvernement. Alors, il y aura des programmes, il y a des